De vous relire. Quelles émotions ? C'est très. Ça dépend de l'émotion que j'avais quand j'écrivais telle chose. Dans La Vallée de Saxe, il y a un chapitre qui a été transposé dans le film aussi, c'est Monsieur et Madame des Oulières, c'est l'histoire d'un homme dont la femme est en train de mourir et en fait toute la conversation se passe entre le médecin et lui. Et quand j'ai écrit ce chapitre, et c'est aussi ce qui m'est arrivé pour certains chapitres du Cœur des Femmes, quand j'ai écrit ce chapitre, je l'ai écrit, j'avais une image de départ, une toile cirée, une tasse de café, etc. Bon. Donc je suis parti là-dessus, je n'avais pas d'idée préconçue. J'ai écrit un chapitre qui est le monologue d'un homme dont la femme est en train de mourir. Et à la fin du monologue, le personnage pleure et je me suis mis à pleurer. Et à ce moment-là, ma femme est rentrée dans la chambre, parce que je travaillais dans ma chambre à ce moment-là. Et elle rentre et elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Ben, je viens d'écrire un chapitre et je pleure. » Elle me dit « Je peux lire ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Alors j'imprime le truc, elle s'assoit sur le lit, elle lit, et puis elle lit le chapitre et elle pleure. Elle me dit « Surtout, faut rien changer. » Je dis « Bon. » Et quand le cœur des femmes, là par exemple, je sens la rage, le dernier chapitre que je vous ai cru, que je vous ai lu, j'ai senti la rage et l'émotion. Et en plus, les dernières phrases sont aussi des phrases qui sont tirées d'une chanteuse, d'une chanson qui s'appelle... une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Mama Beate Dekielski. C'est une chanteuse militante que j'aimais beaucoup dans les années 70. Ça s'appelle Les mots. Hein. Je pèse le poids de mes mots qui valent ce qu'ils valent, mais justement ce sont les miens. Et je les ai intercalés. Et donc j'étais à la fois en colère et j'avais aussi l'émotion de relire les phrases de Mama Bea. Donc, qu'est-ce que ça me fait ? Voilà, ça me fait... Des fois, j'ai envie de pleurer, des fois, j'ai envie de rire. Ça me fait un peu les émotions que j'ai eues quand j'ai écrit, quand j'étais en train d'écrire. En général, c'est ça. Merci. Bonjour et vraiment merci de votre partage et surtout des derniers textes que vous avez écrits. Donc, j'ai 70 ans et... Au niveau des parcours gynécologiques et tout ça, j'ai connu du meilleur et du pire. Mais je voulais parler que même dans les anciens médecins, il peut y avoir aussi de très bonnes personnes. Et j'ai connu le docteur Michel, qui était gynécologue obstétricien et qui était en même temps le directeur de l'école supérieure de sophrologie. Et qui a donc mis un peu en forme la méthode guérie, qui était vraiment d'accompagner les femmes au niveau de la préparation à la naissance et à la parentalité, avec en même temps tout le respect et tout l'accompagnement, tout le soin de prendre en compte la personne. Il parlait au niveau de la grossesse, que c'était comme à l'adolescence, une crise intégrative où il y avait un bouleversement physique, hormonal, relationnel. Et ça me touche qu'il y ait maintenant un peu cet éveil un peu plus profond et un peu plus important au niveau de l'attention, notamment dans cette période, mais notamment aussi au niveau de la personne. Plus généralement, même au niveau des patients hommes, quand ils sont hospitalisés, pour voilà, que ce soit la femme, mais surtout effectivement dans cette période au niveau de la grossesse et des gestes gynécologiques, ça prend encore plus toute l'importance du respect. Je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, je voudrais justement, et aussi pour introduire ma co-intervenante,
je voudrais dire que dans mon esprit, ce n'est pas une question de spécialité. Bien sûr que moi j'étais en colère, j'ai beaucoup été en colère contre certains spécialistes, mais j'étais en colère beaucoup contre les généralistes aussi, qui ne faisaient pas leur boulot. Mais ce qui fait les qualités d'un soignant, ce n'est pas sa spécialité. Ce qui fait les qualités d'un soignant, et je peux en parler très facilement avec Martine à côté de moi, parce que j'ai regardé son livre et j'en ai lu les deux tiers hier soir, c'est l'attitude qu'on a vis-à-vis des gens. Et c'est assez simple. Si on part d'une posture qui est « je sais, et je sais mieux que vous, ce qui est bon pour vous », on ne peut pas soigner. Un médecin, ça sait plein de choses, mais un médecin, ça devrait, et tout professionnel de santé devrait toujours se poser la question de ce que la personne ressent, de ce dont elle a besoin, de ce dont elle a peur. La peur, c'est un truc énorme, y compris aussi bien chez les patients que chez les médecins, aussi bien chez les médecins que chez les patients. Et c'est cette attitude qui fait qu'on peut soigner. C'est pas une question de spécialité. Une des meilleures gynécologues que je peux citer de mémoire, deux gynécologues extraordinaires qui m'ont appris énormément de choses. L'un, c'était un obstétricien de l'hôpital du Mans qui est une crème d'homme. C'est un homme. Et c'est une crème d'homme. Si j'étais une femme, c'est à lui que j'irais me confier. Enfin, je veux dire, bon. Et d'ailleurs, il a mis au monde toute la fratrie de mes enfants. C'est dire à quel point on lui faisait confiance. Et une autre que j'ai rencontrée à plusieurs reprises s'appelle Marie Didier, qui est une gynécologue toulousaine, qui allait faire des consultations de gynécologie chez les Roms dans leur roulotte. Bon. Donc, ce n'est pas une question de spécialité. Malheureusement, le problème, c'est qu'on a des a priori vis-à-vis des professionnels. On pense que parce qu'un professionnel doit s'occuper ou est formé pour s'occuper d'une certaine catégorie de la population, il va forcément avoir le meilleur comportement possible avec cette catégorie de la population. Malheureusement, ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas la spécialité qui fait de vous un soignant, c'est votre attitude, et j'aimerais bien que Martine nous donne son sentiment à ce sujet. Eh bien, ça fait penser à la réflexion que certaines patientes qui viennent me voir pour la première fois me disent en me disant « mais je viens vers vous parce que vous êtes une femme, et jusqu'à présent, mon gynécologue c'était un homme, j'ai toujours vu des hommes, et je pense que comme vous êtes une femme, vous allez mieux me comprendre. » Et alors à chaque fois, j'ai un petit mouvement de recul, et je leur dis « mais si c'est que pour ça, non, on va pas être d'accord, parce que, encore une fois, quand on lit les livres de Martin Winkler, moi je suis vraiment émerveillée, parce que c'est un homme, et il a saisi toute la sensibilité, toute la richesse de la symptomatologie, de ce que ressent une femme, aussi bien dans son corps que dans ses émotions. Donc encore une fois, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de disponibilité d'écoute. Et ça, je leur dis, je pourrais vous donner le nom d'une consoeur qui est une amie avec laquelle peut-être vous ne vous allez pas vous entendre, et puis, ou d'un confrère avec qui vraiment vous allez avoir l'écoute que vous attendez. Donc encore une fois, pas de sexisme. Voilà, donc je voulais souligner ça. Il y a quelque chose. Alors moi, j'ai pleuré au tout début. J'ai été très émue, oui, du début où Martin Winkler, vous avez évoqué ces paroles de cette aide-soignante qu'on appelle. Voilà, ça m'a beaucoup émue de dire qu'on ne nous apprend pas et que soigner, parce qu'elle aussi, elle soigne comme une infirmière, comme tout personnel qui approche un patient. Soigner, c'est mettre une main quand on fait une prise de sang, c'est mettre un coussin sous la tête, c'est écouter, c'est faire un sourire. Voilà, il y a toute cette attention relationnelle et qui est un enrichissement mutuel. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée, puisqu'on parle là de la relation et de l'accueil, c'est à un moment donné, la jeune interne, puisque c'est une femme hein, qui assiste à aux consultations de Karma, et c'est une femme qui est énervée d'entendre les nanas qui parlent de leurs seins, de leurs règles, de leurs mecs, du sexe qui fait mal, qui démange, en disant « enfin moi je suis là, moi ma carrière ça va être d'être chirurgienne, et ça ne m'intéresse pas du tout ». Et à un moment donné, elle dit « j'avais l'impression d'être devant, merci, un duo ». Parce que c'est ça, le relationnel dans une relation, c'est comme une co-création.
Enfin, moi, c'est comme ça que je vis, c'est pour ça que ça m'intéresse toujours beaucoup et que ça me nourrit. C'est-à-dire que chaque fois qu'une patiente, même que quelqu'un que je connais, d'abord le mot patiente, c'est mal, hein, je n'aime pas tellement ce mot, mais bon, là, on va dire la consultante, eh bien, c'est une co-création. Parce que chaque fois, eh bien, on va découvrir, même si on s'est vu un an avant ou 6 mois avant, c'est une histoire commune qui se tisse dans l'écoute, dans le respect, c'est un enrichissement mutuel. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à l'attente, mais c'est comme ça que je le conçois. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, madame. C'est très important de faire connaître les gens qui nous ont fait du bien. C'est très important. Et tout à l'heure, je discutais avec Jean-Michel et Luigi dans la voiture, et hier avec Richard aussi, en leur disant finalement, une des choses qu'on sait le moins bien faire, oui, parce qu'on parlait d'un site qui s'appelle le site Jean & Co, qui est un site de gynécologues ou de médecins féministes, c'est-à-dire qui ont du respect pour les femmes. Maintenant, il y a même aussi un site en ligne de médecins qui sont gays ou lesbian friendly, c'est-à-dire qui accueillent les personnes homosexuelles sans leur cracher dessus et leur dire des ignominies. Il devrait y avoir un site, et je pense qu'il est en train de se constituer, de médecins qui accueillent les personnes en surpoids sans leur faire des remarques. Parce que c'est inadmissible de faire des remarques sur le poids des gens, comme si les gens qui entraient ne savaient pas qu'ils étaient en surpoids, et comme s'ils avaient besoin, alors que leur époux, leur épouse, leur frère, leur mère, leur patron leur disent qu'ils sont trop gros, s'ils avaient en plus besoin que le temps. Donc, je crois que c'est très important de nommer les gens qui nous font du bien. Et l'une des choses qu'on ne sait pas faire encore, c'est ça, c'est faire des annuaires. Je crois qu'il faut aussi faire des annuaires pour dire celui-là ou celle-là, c'est des tocards, il ne faut pas aller le voir. Mais c'est beaucoup plus important de faire des annuaires de gens qui sont des gens corrects, de faire des annuaires de livres que les gens ont écrits et qui nous font du bien. Et je voulais vous remercier d'avoir parlé ainsi, parce que finalement, c'est comme ça qu'on progresse. C'est en partageant les expériences positives. C'est important de parler des expériences négatives parce qu'on se sent moins seul, mais c'est très important aussi de parler des expériences des personnes qui ont un effet positif parce qu'elles nous servent de modèle, elles nous servent de repère, et on se dit, voilà, moi je me souviens très bien que quand j'ai lu le premier livre de Marie Didier qui s'appelait Contre-visite, qui doit toujours exister en folio, et je vous recommande vraiment de le lire, c'est comme un journal, et c'est magnifique. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment donné un modèle de comportement par rapport aux femmes et même aux hommes d'ailleurs, parce qu'elle s'entraînait aussi des hommes. Elle était gynécologue, mais elle s'occupait aussi des compagnons des femmes dont qu'elle soignait. Une autre contribution ici. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. La première, je me demandais est-ce que tous les témoignages du cœur des femmes sont inspiré de faits réels, et lesquels sont des fictions. Voilà. Et ma deuxième question était, comptez-vous écrire Le cœur des hommes pour parler des problèmes sexuels au masculin? Bon, alors, la première question, non. Il y a beaucoup de choses. J'ai jamais pris de notes, moi, en consultation. J'ai jamais noté, ah oui, ça l'aime raconter une histoire. Non, jamais. En revanche, et je m'en félicite. Ça m'est arrivé de noter des choses sur voilà, des trucs qui m'avaient impressionné. Enfin, bon. Mais quand j'écris, je laisse les choses remonter à la mémoire. Et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de recompositions. Alors, ce que je vous ai expliqué par rapport au chapitre où il y a les courriels, ils ont été retouchés. Ça, c'est du matériau réel, mais il y en a plein que j'ai retouché, plus ou moins. Et d'autres que j'ai inventés. Les récits individuels, c'est forcément des choses qui ont été beaucoup inspirées par des choses que j'ai entendues, parce que quand vous êtes 25 ans dans un centre de planification, vous entendez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais il y en a beaucoup qui sont très différentes ou très, comment dirais-je, exceptionnelles. Et donc après, à l'écriture, le mélange se fait. Donc je serais incapable de vous dire aujourd'hui ce qui est, entre guillemets, inspiré par une patiente réelle et ce qui ne l'est pas, parce que tout s'est mélangé. Je peux vous dire aussi, par exemple, qu'il y a beaucoup de sentiments ou d'expériences qui sont transposés de ma propre expérience. C'est-à-dire que, par exemple, on me dit, oui,
Jean, Karma c'est vous et Jean c'est... Je dis non. Moi j'ai pas écrit le livre en pensant Karma c'est moi. Pensez le livre, j'ai écrit le livre en pensant Jean c'est moi. Parce que j'étais le médecin arrogant, je n'étais pas chirurgien, mais j'étais le médecin arrogant qu'est Jean au début. Je savais tout. J'étais sûr que je savais tout. Et Karma c'est plutôt Yvonne Magnot. Alors j'ai choisi ce dispositif-là parce que je voulais aussi, il y a des choses de Karma aussi, de moi aussi dans Karma, si vous voulez. Il y a des choses de mon père, il y a des choses de médecin que j'ai beaucoup apprécié. J'ai choisi ce dispositif parce que je voulais qu'il y ait un homme et une femme, c'est un centre de gynécologie, donc il y a des femmes, qu'il y ait un homme en face, et puis après je voulais savoir, je me disais, mais qui va être l'étudiant, est-ce que ça va être un homme ou une femme? Et j'ai choisi une femme qui est masculinisée. C'est-à-dire que, d'un point de vue idéologique, elle est du côté des médecins parce qu'elle est médecin et qu'elle elle s'est imprégnée de la masculinisation de la profession médicale. Et de l'autre côté, c'est une femme parce que c'est une femme qui renie un peu d'être une femme et qui va se redécouvrir être une femme. Mais ses idées, ses rejets, ses colères, etc., ce sont les miennes. Donc vous voyez, il n'y a pas de séparation, tout est mélangé. Il y a des histoires qui sont dans le livre, qui sont en fait des histoires que les hommes ont racontées. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, j'ai un projet qui s'appelle « Les voix des hommes » en chantier. Et il sera question, voilà, parce que effectivement les hommes ça m'intéresse aussi. En ce moment, je suis en train d'écrire un cycle romanesque, qui est le cycle de France et Abraham, enfin d'un père et d'un fils, où je parle aussi des hommes d'une autre manière. Donc oui, j'ai un projet comme ça, mais ce n'est pas pour tout de suite encore. Donc, mais merci de m'avoir posé la question. Pour les hommes qui nous ont fait du bien, ben voilà, merci à vous. Et moi, ma question, c'est, nous, on a une fille qui est en quatrième année de médecine, et aujourd'hui, madame, je rêverais, hein, peut-être que je vais vous voir d'ailleurs, quand vous parlez de co-création, aujourd'hui, on voit rarement ça, et donc je vois notre fille qui est dans... étudiante, et pour qui, ben, comme vous disiez, on inculque le savoir, la position du médecin, et l'histoire de la co-création de la relation, ben, c'est jamais abordé. Ce que vous disiez aussi, de ce qu'on en perçoit en tout cas, de leur peur, de la prise en compte, de leur peur de ce qu'on va nous... Elle nous disait, ben oui, c'est vrai, se retrouver tout d'un coup face à un patient, c'est terrorisant, voilà. Et ben, moi, déjà, à titre de maman, ben, je suis inquiète. Et ma question, c'est comment on peut changer ça et comment ça vous influez sur cette éducation des jeunes médecins, voilà. Comment est-ce que ça change? Alors, j'aurais peut-être deux volets de réponse. Premier volet, c'est que je pense que c'est le patient qui va changer le rapport au médecin. J'ai écrit il y a 9 ans, c'était un ouvrage collectif, j'avais écrit mon expérience, et c'était médecine éclairée, éducation, résistance éclairée et éducation à la liberté. C'est-à-dire qu'on reçoit tous... À commencer par l'enseignement qu'on reçoit dans l'éducation nationale, on reçoit des formatages, et on reçoit souvent même un enseignement qui est une forme de violence. Moi je l'ai vécu comme que j'étais élève, et puis même quand j'ai un enfant qui est dyslexique, je viens mon enfant, j'ai découvert moi sa dyslexie en 6e, et maintenant il a 23 ans, ben, il a été l'objet de violence, non pas forcément de violence volontaire, mais par ignorance des enseignants. Bon. Donc je pense que c'est les patients eux-mêmes qui vont changer par leur résistance éclairée, en disant, mais écoutez, est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Est-ce que vous pouvez, je n'ai pas compris, mais écoutez, vous me proposez quelque chose, mais peut-être que je vais choisir si je le prends ou pas. Donc c'est aux patients de changer, peut-être, exactement comme on le fait en politique, c'est la base qui peut changer, finalement, le fonctionnement des politiques. Première réponse.
Deuxièmement, on est dans une faculté, on a quand même la chance d'avoir d'abord un doyen très éclairé, et on a un doyen qui propose des enseignements, d'abord un observatoire des médecines non conventionnelles, ici, au sein de la faculté, avec homéopathie, phytothérapie, voilà, et puis aussi de la sophrologie, de l'hypnose, qui est proposée pour, gratuitement, quasiment, aux étudiants en médecine, qui leur donne déjà, oui, il y a des enseignements, enfin des pratiques d'hypnose ou de méditation en pleine conscience qui sont proposées aux étudiants en médecine, ils n'ont peut-être pas le temps, mais c'est proposé. C'est proposé une fois par mois, ou voilà, et je trouve que c'est déjà extraordinaire. Ensuite, on a ce diplôme universitaire, parce que d'art du soin, dont a parlé Jean-Michel Medlata. Voilà, donc il y a quand même des choses qui commencent à se mettre en route. Puis il y a ici, voilà, cette conférence d'aujourd'hui qui est quand même extraordinaire. Donc c'est un début de réponse. Je pense que, d'un point de vue général, pour tous les professionnels en formation, et encore plus pour les étudiants en médecine, il faut les inciter à aller regarder dehors, à sortir de la boîte, sortir des cases. Et souvent dans les facs, il y a des diplômes universitaires un peu atypiques, il y a des approches qui sont des approches pas conventionnelles, et c'est ça, il faut les pousser à aller regarder à l'extérieur. Je disais à Jean-Michel hier que moi je suis souvent invité par des associations d'étudiants, des associations de soignants ou de professionnels dans des facs qui font des trucs encore clandestins, semi-clandestins, mais quand même acceptés par la fac. Mais maintenant on dispose de moyens comme les réseaux sociaux, comme les sites internet et le courriel tout simplement, de fédérer tout ça. Et c'est ça, il faut inciter les étudiants à lire. Il faut les inciter. Ah, bon, voilà. Il faut les inciter à regarder les téléséries. Il y a 3 téléséries qui devraient être regardées obligatoirement, dans leur intégralité, par les étudiants en médecine, par les sages-femmes, par les infirmières. C'est Urgence, 15 saisons, 450 épisodes. Non mais je ne plaisante pas, hein, je ne plaisante pas. C'est Dr. House, bien sûr, qui est la série sur l'éthique médicale. Il ne faut pas prendre House pour un super médecin, non, c'est une figure qui vous apprend à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'éthique. Et il y a une autre série qui est beaucoup moins connue en France, qui est à tomber par terre, qui s'appelle SOS Sage-Femme, Call the Midwife. Ça passe sur Netflix, c'est en DVD. Il faut, alors je vous la recommande très vivement, c'est une série qui se passe dans les années 50, c'est basé sur les... Alors, on peut lire aussi les mémoires de la sage-femme qui a inspiré la série, qui s'appelle Jennifer Worth, et qui a écrit 3 livres sur son métier de sage-femme, et la série commence, d'ailleurs, les 3 premières saisons, c'est les 3 premiers livres, après ça devient construit par les scénaristes, mais c'est toujours dans la même veine. C'est l'histoire de sage-femme dans le quartier le plus pauvre de Londres, entre 1955 et la fin des années 60. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette série, il y a environ deux accouchements par épisode qui se font dans toutes les positions possibles et imaginables. Et moi, et à chaque fois, ils nous sortent quelque chose. Et avec des vrais nouveau-nés, ou en tout cas, ils ont 8 jours, c'est insensé, je ne sais pas ce qu'ils font. La seule explication qu'on a trouvée, ma compagne et moi, c'est que probablement, j'ai une maternité juste à côté des studios, et que maintenant que la série, parce que c'est la série la plus regardée d'Angleterre, hein, que maintenant les femmes qui accouchent, elles s'inscrivent pour dire, si moi j'accouche le jour du tournage, je veux que mon bébé, il soit mort. Parce que c'est insensé, et c'est fait avec une délicatesse, une humanité, une précision historique, parce que ça vous raconte l'histoire de la médecine, pas seulement l'histoire de l'accouchement et de l'obstétrique, mais l'histoire de la médicalisation du monde moderne dans un pays qui ressemble au nôtre, hein, qui est l'Angleterre, c'est à tomber par terre. Et c'est aussi une leçon absolument de fraternité et d'humanité. C'est une série féministe, il y a 90% des personnages qui sont des femmes. Ça aborde absolument tous les problèmes que rencontrent les femmes dans leur vie, alors en long, en large, en travers. Donc ça, voilà. Déjà, si vous incitez, ou alors vous... D'ailleurs, la meilleure manière, si vous êtes parent et que vous avez des étudiants en médecine dans votre famille, c'est de les inviter un soir en leur disant « Écoute, faut que je te montre quelque chose.
Et puis vous les asseyez, vous leur dites, tiens, voilà, des chips, etc. Et vous leur montrez un épisode de l'une des trois séries. Commencez par SOS Sage-Femme, parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est la meilleure. Mais voilà, il faut les faire lire, il faut les faire aller sortir de leur coquille et de leur boîte et regarder des séries. Et des films, hein, comme vous en propose Richard et Jean-Michel ici, parce qu'il y a de très beaux films aussi. Jean-Michel, tu veux intervenir ? Oui, mais justement, je pense que c'est si bien que vous suiviez ce qu'on fait, puisque là, on fait venir Martin Winkler de Montréal. Il y a un mois, on a fait venir une équipe de Genève avec Jean-Philippe Assac, donc qui est l'inventeur de l'éducation thérapeutique, de l'enseignement du malade et de quelque chose qui s'appelle le théâtre du vécu. Et le mois précédent, on a fait venir une équipe du Portugal avec Maria Jesus Cabral donc, pour réfléchir sur l'intérêt de la médecine narrative. Donc, bon, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez vous inscrire sur la lettre medicine-culture.org. Et donc en dessous, je ne sais pas comment le montrer, mais juste sous cet amphi, vous avez un tableau de Ben, et c'est écrit dessus, il faut chercher ailleurs. Donc on a la chance, Patrick Baquet nous a ouvert les portes de l'université, nous a fait entrer, et je crois qu'il faut venir, il faut s'approprier cette faculté, aussi bien pour les universitaires que pour les citoyens. On a même, puis ça marche dans les deux sens, puisqu'aujourd'hui, ici, ça compte comme heure complémentaire pour les étudiants en santé. Donc, ce partenariat cité-université pour le diplôme universitaire, un partenariat ici aussi pour ces conférences, le tout, c'est de faire connaître. Et comme disait Martin Winkler tout à l'heure, par exemple, ce site Gynéco, j'ai été voir... Il y a seulement trois gynécologues niçois qui sont référencés, pour dire que ce sont ceux qui prennent soin, mais peut-être c'est uniquement parce que le site n'est pas connu, parce que, voilà. Et merci pour ce que vous faites, c'est génial. Ceci n'est pas une conclusion, et tout à continuer. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Martine tout à l'heure sur le fait que les patients vont faire changer la pratique médicale, c'est ce qui s'est passé avec le sida. Quand le sida est apparu aux États-Unis, La première population qui était atteinte par le sida, c'était la population homosexuelle qui s'est trouvée complètement marginalisée, complètement stigmatisée, avec des médecins qui ne voulaient pas s'occuper d'eux. Ils ont dit, c'est pas grave, on va chercher lesquels veulent s'occuper d'eux. Et c'est avec ces médecins-là, qui eux n'avaient pas de préjugés, ou qui faisaient partie de leur famille, ou qui étaient gays eux-mêmes, qu'ils ont construit toute la réflexion. Et ça a été une co-réflexion, c'est-à-dire c'est les patients. Si vous n'avez pas vu 120 battements par minute, on le voit très bien, les personnages de 120 battements par minute vous montrent que c'est les patients eux-mêmes qui connaissent mieux la maladie que les médecins, et qui vont les interpeller en leur disant « mais vous ne pouvez pas faire comme si on était des pestiférés ou des imbéciles ». Et on vit dans un monde dans lequel les gens sont de plus en plus informés, de plus en plus éduqués. Contrairement à ce que tout le monde dit, répète, à mon avis, le niveau monte. Et le niveau d'information, déjà, il monte. Le niveau de réflexion, il est excellent. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts, d'une part, à mettre en question les choses qui existent, mais aussi à proposer des choses nouvelles. Donc oui, il ne faut pas attendre que ça vienne des médecins. Il faut que ce soit les patients qui fassent changer les médecins. Et je veux finir par une dernière anecdote. C'est qu'il y a 15 ans, quand j'ai créé mon site internet, mon premier site internet, j'ai commencé à poster des articles du style « Oui, bien sûr, même si vous n'avez pas eu d'enfant, vous pouvez vous faire poser un stérile. » Ce qui était un nono, hein, un tabou absolu chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins français. Alors que ça n'était pas à l'extérieur. Et les femmes m'écrivaient en disant « Mais oui, mais mon gynécologue ne veut pas, ou mon médecin généraliste ne veut pas poser un stérile parce que je n'ai pas d'enfant. » Alors je leur mettais sur le site, je leur envoyais des documents, de l'Association internationale du planning familial qui disait, il y avait des numéros en anglais et des numéros en français qui disaient noir sur blanc, on peut poser une stérilité à des femmes, même avant 20 ans, on peut poser une stérilité à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et après, elles allaient voir leur gynéco avec leur papier en disant, parce que je leur disais, des fois, peut-être le gynéco, il a juste peur. Il a juste peur que ce soit dangereux pour vous. Si vous lui apportez le papier en lui disant, voilà, l'état des connaissances dans le monde entier,
c'est pas dangereux. Puis je sais ce que je fais. Je suis une personne autonome, je sais ce que je fais. Et effectivement, elle le faisait. Et il y a des jeunes femmes qui viennent aujourd'hui me dire, moi j'ai eu un stérilet il y a 7 ans parce que j'ai téléchargé, à ce moment-là c'était les recommandations de la Haute Autorité de Santé que j'ai mis sur le site, j'ai téléchargé les recommandations de la HAS, je suis allé voir mon médecin qui est un brave type, mais qui avait peur que ce soit dangereux pour moi. Je lui ai montré, il a dit bon, je vais les lire, je vais réfléchir, et puis il m'a dit bah oui, j'ai pas de raison de vous le refuser, venez, et depuis j'ai mon stérilet. C'est donc l'interaction entre les patients et les médecins qui fait changer les comportements, parce que il y a un truc qu'on ne répète jamais assez, on ne dit même pas aux étudiants, les médecins sont des gens qui ont peur. Et on ne peut pas ne pas avoir peur. C'est juste pas possible. Et donc, dans une certaine mesure, il y a beaucoup de médecins dont vous allez voir changer le comportement quand vous allez leur dire « Je comprends que vous avez peur pour moi, mais un, moi j'ai pas peur. Deux, si vous m'aidez, non seulement je vous en serai reconnaissant ou reconnaissante, mais en plus, on aura moins peur ensemble. » Et ça, ça change les choses. Rien que de travailler là-dessus, rien que de travailler sur la peur. Une question. Par rapport au CIVG au Canada, est-ce que ça se referme comme ça se fait partout en ce moment? Pas au Canada. Okay. Le Canada a une... C'est très intéressant le Canada. Il y a j'ai fait une maîtrise de bioéthique et on avait un cours droit et santé, bien entendu, droit et éthique, droit en santé et éthique. Et on a étudié ce qu'on appelle l'arrêt Morgenthaler. L'arrêt Morgenthaler, c'est une décision de la Cour suprême du Canada qui a décriminalisé l'IVG, ou plutôt désinstitutionnalisé l'IVG. Je m'explique. Il y avait une loi qui autorisait, jusqu'en 1988, il y avait une loi qui autorisait les femmes à avorter dans certaines circonstances. Et quelqu'un est allé voir, un médecin qui s'appelle Morgenthaler, qui faisait des IVG, est allé voir la Cour suprême en disant « Cet article du code criminel est inique parce que il stigmatise et il met les femmes en danger. » Tout simplement parce que c'est une restriction de leur liberté. Il y a la Constitution du Canada, c'est la Charte des droits et libertés, c'est-à-dire que tous les citoyens canadiens ont les mêmes droits. Donc il est allé voir la Cour suprême, il a dit, à partir du moment où on limite la liberté des femmes d'avoir une IVG, en leur disant, il faut le faire avant 12 semaines, il faut le faire ceci, il faut le faire cela, vous les stigmatisez, et en plus vous discriminez, parce que les femmes qui habitent dans le Grand Nord, et qui ont besoin, un, de faire le test diagnostique, deux, d'avoir un rendez-vous, trois, de faire le voyage 600, 1000, 1500 km pour avoir une IVG, elles ne pourront pas avoir une IVG. Donc c'est une discrimination. Et la Cour suprême a dit oui, effectivement, c'est une discrimination qui en plus augmente l'insécurité des femmes, puisque si une femme ne peut pas avoir une IVG dans de bonnes circonstances, elle va aller se faire avorter par n'importe qui, et elle risque d'y laisser sa peau. Et ils ont purement et simplement effacer la criminalisation de l'IVG. Mais il n'y a plus de loi. C'est-à-dire que une femme peut se faire avorter à n'importe quel moment de sa grossesse. Évidemment, l'immense majorité des femmes se font avorter dans les 12 premières semaines. Il y en a quelques-unes qui le font jusqu'à 14 ou 16. Mais ils n'ont jamais vu de femme qui vienne demander un avortement à 30 semaines. Bien entendu. Donc, ils sont partis du principe que si une femme veut avorter, elle veut avorter tout de suite. Elle ne va pas se dire « Ah ouais, 30 semaines, non, ça me gêne. » Ils les ont traités comme des personnes adultes et responsables. Alors, comme cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est complètement généralisé dans tout le pays, ben, il y a des médecins qui pratiquent des IVG. Il n'y a jamais eu d'opposition très importante, et en tout cas, pas comme aux États-Unis, une opposition armée, par exemple, contre l'IVG. Le gouvernement précédent, qui était le gouvernement Harper, avait retiré des fonds aux gens qui faisaient des IVG. Ça n'empêchait pas les médecins de faire des IVG et des hôpitaux, parce qu'ils n'ont pas financé de la même manière les hôpitaux au Canada. Ils sont en très grande partie financés aussi par des dons, des dons individuels ou de la recherche de fonds auprès des entreprises, etc. Donc on arrive toujours à trouver de l'argent. Donc ça ne s'est pas restreint. C'est pas comme aux États-Unis où ça dépend de chaque État et où dans certains États, il y a une attitude très restrictive. Donc pour le moment, mais je pense que ça ne changera pas parce que c'est tellement quelque chose qui est considéré comme normal qu'il n'y a pas de restriction. Mais je voulais dire par exemple que
une jeune femme, il n'y a pas très longtemps, mais elle a raconté son expérience d'aller voir une jeune femme qui n'a pas d'enfant et qui est allée voir une clinique de gynécologie obstétrique pour choisir une contraception, et où elle m'a expliqué que quand elle est arrivée, il y avait un groupe de discussion avec d'autres femmes. On lui a proposé, est-ce que vous voulez être toute seule, est-ce que vous voulez être dans un groupe de discussion, elle a choisi le groupe de discussion. Et puis là, toutes les questions qui apparaissaient, il n'y a pas de questions stupides, on leur répondait. Et quand une femme a posé la question sur l'IVG, on lui a montré les informations sur l'IVG. Quand une autre femme a dit, mais bon là, je veux une contraception, mais je veux être enceinte, j'ai des questions à poser sur la grossesse. Bon. C'est-à-dire que dans une société dans laquelle toutes les questions peuvent se poser et où les professionnels sont prêts à répondre, de toute façon, la liberté augmente. Parce que la liberté, c'est la liberté de choisir, c'est la liberté de connaître, de faire le choix entre plusieurs choses qu'on connaît. Donc il n'y a pas seulement les histoires d'argent qui comptent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en France, on a l'IVG est légale. Le problème, ce n'est pas que les systèmes se resserrent. Le problème, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de médecins, d'étudiants en médecine, qui pourraient probablement faire des IVG, mais qui en ont peur, qui pensent que c'est quelque chose de terrible à faire, alors que non, ce qui est... L'IVG, c'est un geste très simple sur le plan technique, mais ce n'est pas là qu'on soigne. C'est avant et après. C'est en parlant avec les femmes avant, c'est en faisant de l'information et de la prévention après. Et on ne les incite pas justement à voir dans une expérience qui peut être une expérience vécue effectivement de manière négative, mais qui peut être vécue très bien. Il y a des femmes qui vivent très bien leur IVG. Ça peut être aussi une expérience de co-construction entre soignants et femmes, à condition qu'on leur en parle. Et moi, je pense qu'un des grands problèmes qu'on a à l'heure actuelle avec l'IVG, c'est qu'il n'y a pas de gens, il y a très peu de médecins qui sont volontaires pour en faire, parce qu'ils ne savent pas que c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est une activité qui peut être très, très gratifiante. Moi, j'ai fait toute ma carrière spécialisée. Je l'ai faite dans un centre de planification où je recevais 2 femmes sur 3. C'était des femmes qui demandaient ou allaient avoir ou m'interrogeaient sur l'IVG en plus de la contraception. Et je n'ai pas été malheureux du tout. Enfin, je veux dire, au contraire, j'ai appris énormément de choses. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'en France, bon, il y a un accès à l'IVG qui est quand même, on va dire, bon, je ne vais pas dire le mot facile, mais qui ne pose pas de problème. Ce que je déplore, c'est qu'on avait, et on a limité de budget, parce qu'on avait, en dehors de l'acte technique lui-même et de la décision de la femme et de l'acte médical, ou bon, enfin de l'acte, on va dire, technique lui-même, il y avait un accompagnement extraordinaire. Fait par des sages-femmes, je me souviens à l'hôpital, il y avait une équipe extraordinaire, sages-femmes, conseillères conjugales, psychologues, et la patiente, il n'y avait pas que l'acte technique, en disant, bon, quand voilà, l'échographie, vous êtes enceinte, il y avait un accompagnement où la patiente, elle avait une parole, elle y avait une écoute. Elle était, voilà, son histoire humaine de femme était prise en compte. Pourquoi elle s'était retrouvée dans cette situation, pourquoi elle voulait le garder, pourquoi elle ne voulait pas le garder, est-ce que, voilà. Et je trouve que ça, c'était une richesse que l'on n'a plus. Je le déplore parce que c'est voilà, il y a quand même des paroles à poser pour toute femme, c'est pas banal, même si c'est voilà, et que cet accompagnement humain, il n'y est plus, faute de budget. Hein, je pense que c'est ça. Enfin, mes amis sages-femmes qui sont là, c'est le budget. Hein, il y avait avant, maintenant l'acte technique est là, et puis on dit voilà, revenez dans un mois, on verra si tout s'est bien passé. Mais comme tout cet accompagnement humain, il me semble quand même fondamental, quoi, de récupérer la parole et puis d'avoir un échange avec ces femmes. Une contribution tout en haut de l'amphi. Oui, je ne pensais pas du tout intervenir, mais puisque vous parlez d'IVG, moi-même j'en ai eu une au moment où l'interruption de grossesse était interdite. Ça s'est fait sur une table de cuisine, non endormie, etc., par extraction. J'ai maintenant 65 ans passé, et l'an dernier, je suis tombée sur un film fait par un gynécologue, et je m'en excuse, mais j'ai complètement oublié son nom. Vous le trouverez, c'est un film, je ne sais pas si c'est canadien ou américain, et on voit l'IVG pratiqué à l'intérieur de la femme du point de vue du fœtus. Ça m'a bouleversée, absolument bouleversée. Je l'ai
vais voir ma fille qui a 25 ans. Je lui dis, je préfère que tu vois ça, tu prends la pilule. Mais avoir un enfant, c'est pas rien. On ne peut pas l'intervenir. Comme cela, il est bien d'être averti. Voilà, je voulais parler du point de vue du fœtus. Et vraiment, c'est bouleversant à voir. De voir ce fœtus déchiqueté et qui essaye d'échapper au déchiquetage. Donc, je pense que c'est important d'interrompre, de pouvoir en effet interrompre une grossesse, parce que c'est mieux ça que d'avoir un enfant contre son gré. Mais je pense qu'il faudrait que les jeunes femmes et les jeunes hommes voient un film comme ceci avant la crise de la pilule et avant d'entrer dans une vie sexuelle. Ça me semble aussi important. Voilà, je me permets de... Alors, je ne me souviens pas non plus du nom de l'auteur, mais en fait, il faut savoir, madame, que c'est un film de propagande. C'est très important. C'est un film de propagande qui a été fait par des gens qui sont violemment opposés à l'IVG. Et qu'une IVG, quand elle a lieu avant 12 semaines, ça ne se fait pas sur un fœtus, ça se fait sur un embryon qui n'est pas fini. Mais la question n'est même pas là. La question c'est, dans la situation, et je me permets de dire ça parce que je suis un homme, c'est-à-dire je ne sais pas ce que c'est. Je me permets de le dire parce que je ne sais pas ce que c'est, mais que je suis capable de m'abstraire de ma masculinité, si vous voulez, pour penser la chose suivante. Ce qui se passe dans le corps d'une personne n'appartient qu'à cette personne. Il se trouve que ce sont les femmes qui portent les enfants. Mais ça se passe dans leur corps. Et ma perception personnelle, et d'ailleurs c'est celle de beaucoup, beaucoup de pays, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur du corps de la femme ne regarde qu'elle. Personne n'a le droit de lui dire « c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien ». De la même manière que tout ce qui se passe à l'intérieur du corps d'un homme n'appartient qu'à lui. Dans un pays comme le Canada, par exemple, le fœtus n'a pas d'existence légale, tout simplement parce que tant qu'il est dans le corps de la femme, c'est la femme. C'est à la femme que ça appartient. C'est quelque chose qui lui est aussi personnel que son rein, son cœur, son foie, etc. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pourquoi ? Parce que si vous décidez que le fœtus à l'intérieur du corps de la femme a une autonomie, ça veut dire que la femme est son esclave. Ben oui, si vous considérez que le fœtus n'appartient qu'à lui-même et qu'à partir de je ne sais pas quelle date, c'est lui qui doit décider ou d'autres peuvent décider à sa place, ça veut dire que la femme devient seulement un réceptacle à fœtus. Et ça, c'est, ben, sur le plan philosophique, c'est comme ça que ça se présente. Le problème de la liberté, c'est que, ou bien ce qui se passe dans mon corps, ça ne regarde que moi, ou bien alors on considère qu'une partie de mon corps ne m'appartient pas et a une autonomie, et à ce moment-là, je suis l'esclave de cette chose, je suis seulement le porteur ou la porteuse de cette chose. Et donc, ça c'est pour le plan philosophique. Sur le plan de, est-ce qu'il faut montrer les choses ? Moi je crois que rien ne devrait être interdit, c'est-à-dire que si les gens veulent voir ce type de film, c'est l'endroit le plus strict. Je crois en revanche qu'on n'a pas à imposer, par exemple, il ne me viendrait pas à l'idée de dire, j'aimerais bien que ça se fasse, parce que ce serait bon économiquement pour moi, mais il ne me viendrait pas à l'idée de dire, il faut obliger tous les étudiants en médecine à lire les livres de Martin Winkler. Parce que, Dieu merci, il ne faut pas être obligé de quoi que ce soit. Et là, c'est la même chose. Je crois qu'il faut que tout soit disponible et que les gens se fassent leur idée individuellement. Les étudiants en médecine, de toute façon, je pense que ça ne change pas la perception de quelqu'un de voir quelque chose qui lui apprend des choses. Ça affine ses perceptions personnelles ou ses choix. Et je crois aussi que c'est pas pédagogique c'est pas une bonne pédagogie que de dire que d'imposer des choses qui sont extrêmement difficiles à regarder et qui font peur. Je pense qu'on peut dire ça existe. Si tu as envie de regarder, après tout, c'est ton droit à regarder. Mais fais-toi ton idée,
peut-être pas seulement à propos de ça. Donc, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'il faut dire que ces films existent. Il faut aussi dire que, d'abord, c'est des films de propagande, et d'autre part, ça change rien au problème fondamental, qui est que ce qui se passe dans le corps d'une personne ne regarde que cette personne. Si on dit, ah ben le fœtus, il commence à être important à, je ne sais pas quoi, 32 semaines, et là, il commence à avoir un statut individuel, ça veut dire que la femme, c'est juste son taxi. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la même raison, par exemple, que je ne suis pas d'accord qu'on considère, c'est quelqu'un en France, que toute personne est donneur d'organes par défaut. En France, je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes tous considérés comme donneurs d'organes, sauf si vous inscrivez sur un registre qui dit « je ne suis pas donneur d'organes ». Hein ? C'est pas ce que je veux dire. On a le droit de donner ses organes. Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à vous considérer comme une bande d'organes a priori. Et c'est ça le problème. Au Canada, quand on leur dit ça, ils disent « Mais moi, je suis pas une bande d'organes. » Et au Canada, ils sont très donneurs d'organes. Mais ils s'inscrivent sur le registre des donneurs d'organes. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est que vous n'êtes pas donneur. Donc, on considère que vous n'êtes pas donneur. En France, c'est l'inverse. Il faut vous inscrire pour dire « Je suis pas donneur. » Et ça, c'est très problématique sur le plan éthique, parce qu'on considère qu'au départ, vous êtes donneur d'organes, même si vous n'en savez rien. Et vous voyez, c'est ça qui moi, me semble très important, c'est toujours garder à l'esprit que quel que soit le type de décision médicale qui doit être prise, la décision médicale et l'appréciation de ce qui se passe, ça doit rester la décision de la première personne intéressée, c'est-à-dire la personne dans le corps de qui ça se passe. Alors, je pense que vous avez bien fait de soulever cette question. Il faut toujours réfléchir à ça. J'ai des amis, j'ai parlé avec beaucoup de médecins qui, par exemple, sont tout à fait pour le droit des femmes à disposer de leur corps, mais qui, par exemple, en tant que femme, ne pratiqueraient jamais une IVG sur elles-mêmes. Et c'est leur droit le plus strict. Mais je pense que justement, tout le problème est là, c'est qui décide? Qui décide pour moi? Qui décide pour vous? Ben, je pense que la personne qui doit décider pour moi, c'est moi. La personne qui doit décider pour vous, c'est vous. Une contribution ici. Bonjour, en fait, moi je voulais dire que je représente le planning familial de Nice, donc je vous remercie parce que j'aurais pas mieux parlé que ce que vous venez de dire, mais je voulais juste dire qu'en fait, dans notre expérience, nous, donc militantes, féministes, d'éducation populaire, en fait, ce que vous dites, madame, ça participe à encore plus à la culpabilisation d'une seule personne qui est la culpabilisation des femmes. Et que ce n'est jamais quelque chose de... Quand on fait de la morale, de la moralisation, ça ne va jamais dans le sens de faire avancer un problème. Bien sûr que tous, on est pour qu'il y ait une diminution du nombre d'IVG à partir du moment où c'est parce que les femmes ont l'accès à un moyen de prévention. Il faut quand même qu'on réforme aussi notre société pour que ces femmes aient le maximum d'accès. Mais je veux dire, voilà, donc la culpabilisation des femmes, ça n'a jamais fait avancer aucune cause. Je voulais dire que moi, je peux vous opposer aussi de faire des films dans certains foyers de l'enfance, où on retrouve des enfants qui, justement, n'ont pas eu, sont nés malgré des situations dramatiques. Voilà, des films gore sur des situations, on peut toujours en faire, et ça ne fait jamais avancer la problématique, enfin, ça ne fait jamais avancer la société. Donc voilà. Et vraiment encore. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je pense que la réflexion, c'est intéressant ce débat, parce que ça montre bien que, bon, ça n'est pas rien, c'est pas comme se faire enlever une dent, c'est voilà. Et que le vécu de chacun est vraiment très personnel. Donc ça, c'est important, Martin Winkler l'a dit. Bon, madame a exprimé une vision, je crois que ça existe. Mais ce qui est très important, ce que tu viens de dire, Laurence, c'est qu'en effet, culpabilisation, jamais.
Voilà, ça, on n'a pas le droit à ça. Par contre, il y a des patients qui vont tout le temps, à chaque, enfin, même des années après, nous parler d'IVG qu'elles ont vécu, et puis d'autres qui vont dire, oh là là, mais voilà, je suis bien, je pouvais pas, voilà. Donc chacun va vivre dans sa personne, dans son corps, mais également dans son cœur, dans son âme, différemment ce geste qui est un geste, voilà, qui est un acte, on va dire, délicat. On ne peut pas le trancher comme ça, c'est vraiment une affaire personnelle. Et si ce film existe, en tout cas, il ne faut jamais qu'il soit montré pour culpabiliser. Voilà, ça c'est sûr, mais ce n'est pas ce que vous avez exprimé, il me semble. Voilà. Encore une contribution ici. Oui, en fonction de ce que vous avez dit tout à l'heure, je voulais savoir ce que vous pensez de la gestation pour autrui. Ah. Et juste pour terminer aussi, j'ai entendu qu'il y avait un enfant en Chine qui était né 4 ans après la mort de ses parents, justement par gestation. J'ai vu le titre passer, mais je n'ai pas vu l'article, donc oui. Je ne sais pas quoi trop faire. En fonction du fait que jusqu'à présent, ils n'avaient pas qu'un seul enfant et les deux parents sont morts, ils faisaient des démarches pour être. Ils avaient mis les ovules, tout ça, de côté pour faire. Et donc, 4 ans après, les grands-parents ont obtenu que par la gestation pour autrui, cet enfant naisse. Alors, moi, j'ai une position qu'on va qualifier d'anthropologique, qui est la chose suivante. Fondamentalement, il y a deux pulsions dans tous les êtres vivants. En particulier, on peut l'observer au moins chez les mammifères. Il y a deux pulsions irrépressibles, c'est survivre et se reproduire. Ce qui est intéressant chez l'être humain, c'est que on peut choisir de ne pas survivre et on peut choisir de ne pas se reproduire. C'est-à-dire que nous avons eu la chance d'avoir un cerveau qui a évolué de telle manière que nous pouvions soit obéir à ces pulsions, soit les refuser. Et malheureusement, nous le savons, parce qu'il y a des gens qui mettent fin à leur jour, même très jeunes. Et nous savons aussi, et moi je suis un militant fervent du fait que des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants n'aient pas d'enfants. Mais l'inverse n'est pas moins respectable. C'est-à-dire que je peux tout à fait comprendre qu'on ne veuille pas d'enfants, mais je peux tout à fait comprendre qu'on en veuille beaucoup. Et un peu à tout prix. Après, ben c'est difficile parce que je crois que c'est que des cas de figure. On va prendre la. Je connais par exemple 3 couples dans lesquels la femme a accueilli un embryon qui venait d'un couple ami ou d'un couple. Ça pouvait être. Enfin, dans l'un des cas, c'était sa sœur et son beau-frère. Et elle a accepté qu'il y ait une fécondation in vitro dont elle serait la mère porteuse. Et ensuite, l'enfant a été. Alors vous me dites, oui, mais quand même, c'est délicat, etc. Oui, mais je peux vous raconter aussi l'histoire d'une histoire beaucoup plus prosaïque, d'une jeune femme de 17 ans qui se retrouve enceinte et qui a une sœur de 25 ans. Et toute la famille décide que, bon, ben, elle va porter son enfant, elle va accoucher, mais c'est la sœur qui va l'élever comme si c'était son enfant à elle. Et 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, alors que la gamine, elle a été élevée par sa tante, encore une fois, c'était sa mère, et elle traite sa mère comme si c'était sa tante. Et puis la tante découvre qu'elle a un cancer du sein, et il faut se faire tester, elle voudrait faire tester sa fille pour savoir si elle a un gène favorisant, mais elle ne peut pas lui dire de se faire tester parce que. Enfin, si elle l'a fait tester, non, c'est ça, c'est la tante, qui est la mère biologique. La mère biologique a un cancer du sein, mais comment faire tester la fille biologique qui est censée être sa nièce, alors que la mère elle-même s'est fait tester et n'a pas le gène. Vous voyez le souk ? Bon. Donc, c'est aussi compliqué avec les voies naturelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Là où nous sommes angoissés, et je trouve que c'est normal que nous soyons angoissés, c'est qu'on emmène en plus la technologie médicale à compliquer les choses. Mais ce que je crois, c'est que fondamentalement, les problèmes
d'un couple qui envisage une gestation pour autrui, ou d'un couple de femmes lesbiennes qui veut une fécondation in vitro ou une insémination artificielle avec donneur, voire même une insémination artificielle avec donneur connu, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, je veux un enfant. Est-ce que la technologie médicale est là pour m'aider à l'avoir ou non? C'est vrai que c'est une question, mais malheureusement, la réponse, elle n'est pas simple, et voici pourquoi. Chaque fois que quelqu'un demande à un médecin de l'aider à faire quelque chose, il n'y a que deux cas de figure à l'heure actuelle, quand il n'existe pas de loi. Il y a deux cas de figure, où il est riche, où il est pauvre. S'il est riche, il l'aura. S'il est pauvre, il ne l'aura pas. C'était ça avec l'IVG. Les femmes riches, vous regardez Vera Drake, le film de Mike Lee, qui est un film qui se passe en Angleterre, où une femme pauvre fait des IVG aux femmes pauvres, et en même temps, il y a une fille de la maison qu'elle nettoie tous les matins, qui se fait violer par un copain de son frère, et puis qui va voir le médecin, et elle a son IVG sans problème et sans complication. Donc, quand vous avez une situation dans laquelle les gens ont une technique qui peut leur rendre la vie moins pire ou meilleure, il n'y a que deux cas de figure, ou bien ils sont riches, quand il n'y a pas de la réglementation, quand ce n'est pas ouvert à tout le monde. Bien on est riche et on l'a, ou bien on est pauvre et on ne l'a pas. Et qui plus est, ou bien on est riche et on peut l'avoir en payant des gens, ou en exploitant des gens, ou bien on est pauvre et on ne peut pas. Donc pour moi, la question de la gestation pour autrui, ce n'est pas une question philosophique sur est-ce que c'est bien de... Non, c'est la question c'est quoi? C'est est-ce que c'est quelque chose qui peut être réglementé avec plein de précautions pour que les gens qui en ont vraiment besoin puissent y accéder sans que personne ne soit exploité, ni eux, ni les femmes qui seront volontaires pour le faire. Parce que je ne vois pas pourquoi une sœur proposerait de le faire pour sa sœur et qu'elle serait plus discutable qu'une femme qui propose de le faire pour de l'argent. Bon. Mais pour quel argent? Dans quelles circonstances? Etc. etc. Tout ça, ça demande à être réfléchi. Et je pense que jusqu'à présent, on ne sait pas encore. Il y a des pays dans lesquels ils ont commencé à le faire parce qu'ils se sont assis puis ils ont regardé les problèmes les uns après les autres. Ils n'ont pas dit « c'est bien ou c'est pas bien ». Ils ont dit « de toute façon, ça existe déjà, il y a des gens qui le font, et qui le font en achetant des mères porteuses en Inde. Bon. » Est-ce que ce ne serait pas quand même un peu plus sécuritaire de le faire chez nous, avec des femmes qui seront surveillées, protégées, encadrées, etc., dans des conditions qui ne seront pas exploitantes pour personne, plutôt que d'aller commencer à payer des femmes misérables à qui on va enlever un enfant, auxquelles elles se seront peut-être attachées, etc. etc. Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de réponse unique, mais je me refuse toujours à dire a priori c'est bien ou c'est pas bien, tant qu'on n'a pas regardé tout d'un bout à l'autre. C'est la même chose avec la question de la mort médicalement assistée. Hein, je racontais tout à l'heure que j'ai fait une chronique sur France Inter en 2002, sur Vincent Lambert, qui était dans un poumon d'acier, qui demandait à ce qu'on mette fin à ces choses, c'est-à-dire qu'on débranche, et alors le ministre de la Santé disait « Non, 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 c'est pas possible, on peut pas y... » Et puis on lui disait « Mais Madame Mireille Jospin, la mère du Premier ministre, elle a fait son coming out, hein, son annonce, de mettre fin à ses jours dans le journal, hein, dans Le Monde, Le Figaro, hein, Madame Mireille Jospin, 94 ans, a décidé de quitter cette vie. Et de quitter cette vie comment? Eh bien, elle est allée voir un médecin, qui était un médecin de son entourage, qui a dû lui donner ce qu'il fallait, c'est-à-dire des barbituriques, etc. Et puis, elle a annoncé ça à sa famille, et elle a mis fin à ses jours, de façon tout à fait illégale, mais tout à fait autonome. Pourquoi? Parce qu'elle avait les relations et l'argent. Bon. La Belgique, ils n'ont plus de problème avec ça. Ils disent, toute personne qui demande à ce qu'on l'aide à mourir peut demander à ce qu'on l'aide à mourir.
Et il y en a 90% qui ne le font pas, finalement. Mais au moins, ils savent qu'ils ont le choix. Et nous, on en est encore à tergiverser, à dire « Ah là là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» Mais zut ! Qui dit que c'est bien ou que c'est pas bien ? Qui dit que c'est bien ou que c'est pas bien ? Si moi, je décide d'avoir avec ma compagne, si on décide d'avoir un enfant, qui peut nous dire que c'est bien ou que c'est pas bien ? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va devenir cet enfant ? Est-ce que cet enfant qui sera peut-être malade, qui aura peut-être une maladie très grave, ne va pas passer sa vie entière à souffrir de ça ? Vous vous rendez compte de la responsabilité ? Donc, nul ne peut. Moi, ma posture, elle est là. C'est qu'il y a des problèmes qui se soulèvent à cause de la technologie médicale. On ne peut pas dire individuellement ou collectivement si c'est bien ou c'est pas bien. Tout ce qu'on peut faire, et on devrait le faire, c'est dire, bon, imaginons que ce soit possible. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Et puis on énumère les problèmes. Et quand on voit qu'il y a des problèmes qui sont vraiment, encore une fois, des exploitations de personnes, on dit, ben non, ça, on ne peut pas faire. Quand on voit que ça ne pose pas de problème parce qu'on peut sécuriser, ben si, ça, on peut faire. Mais il faut d'abord tout examiner. On ne peut pas juste dire, enfin, moi, je suis un pragmatique, je vois les choses comme ça. Le Martien a peut-être une opinion. Alors, je rejoins, j'avais envie de dire deux choses principales à propos de la GPA. C'est un problème délicat qu'on ne pourra pas comprendre, on ne pourra pas apporter une conclusion claire aujourd'hui, mais deux choses à éviter. C'est en effet l'exploitation humaine, puisque maintenant il y a des cliniques en Inde où il y a des femmes voilà, qui sont exploitées, on va dire, bon, qui le font par nécessité de survie. Donc ça, bien entendu, c'est exclu. Donc, exclure l'exploitation et la marchandisation, et peut-être qu'un cadrage pourrait l'éviter. Et deuxièmement, il me semble qu'il y a quand même un droit fondamental, c'est que l'enfant puisse avoir accès à ses origines. C'est d'ailleurs dans la charte de l'UNESCO. Et actuellement, bon, moi j'ai fait pendant des années, j'ai fait partie pendant 20 ans du centre de PMA de Nice, de fécondation in vitro, et c'était le début, dans les années 60, le début du don de sperme. Et en France, on a quelque chose qui est très beau, parce que le don de sperme, il est bénévole, c'est-à-dire que les gens ne sont pas payés, mais il est anonyme. Ce qui fait que maintenant, et aux États-Unis, il y a beaucoup d'enfants, et même en France, des enfants qui sont nés, mais qui n'ont pas accès à leur origine biologique, parce qu'ils ont appris qu'ils étaient nés par insémination, ou par don d'ovocytes également, mais surtout, on a surtout le problème du don de sperme, et il y a interdiction parce que le donneur, il avait signé, enfin, les parents de l'enfant qui est né avaient signé, ben, nous ne demanderons jamais à ce que le donneur soit reconnu par notre enfant. Mais l'enfant, il a dit, moi, je n'ai pas signé ça. Il a dit, mes parents, ils ont signé le fait qu'ils chercheront jamais à voir le nom du donneur anonyme, mais moi, je n'ai pas signé ce papier, et moi, je veux savoir. Mes parents que j'aime, ce sont les parents qui m'ont élevé, mon père, c'est mon père, mais je veux avoir le droit. Voilà. Donc, il y a ces deux écueils, donc pas de marchandisation du corps humain, donc peut-être avec un cadrage, et puis que l'enfant puisse, s'il le désire plus tard, avoir accès à ses origines biologiques. Donc, ça me semble les deux cadrages. Pour le fait de connaître ses origines, c'est un truc tout simple. Vous pouvez être porteur de gènes qui sont susceptibles de provoquer des maladies chez vos enfants. Si vous ne savez pas qui sont vos parents, et si vous n'avez aucune information génétique sur vos parents, ben vous ne pouvez pas non plus connaître, vous, votre probabilité. Parce qu'il y a des gènes, ça ne se voit pas quand on fait un test d'ADN, ça se voit parce que dans l'histoire familiale, on sait qu'il y a des gènes qui se transmettent. Et ça, c'est très problématique. Nous sommes porteurs de choses que nous léguons littéralement, que nous transmettons littéralement à nos enfants. C'est une responsabilité d'avoir des enfants, c'est important de savoir ce qu'on leur transmet. Et rien que pour ça, les adultes qui sont nés par fécondation in vitro, avec don de sperme, ou par, enfin, de cette manière-là, devraient le savoir. Il y a encore deux interventions, et après, je pense que nous passerons à une petite conclusion. Propre voix. Oui, dans le droit à la liberté, parfois je suis confrontée à des femmes qui ont des enfants très nombreux, mais qui ne s'en occupent pas. Elles ont juste le plaisir de porter la grossesse. Et malheureusement, au village d'enfants, il y a, là où je travaille, il y a quatre gamins de la fratrie. Elle est enceinte de son nouveau compagnon. Moi, j'ai un fort ressenti par rapport à ça, parce que j'aurais plutôt envie qu'on leur mette un implant ou un stérilet, quoi, hein, au pire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que chaque fois que vous restreignez la liberté d'une personne, vous restreignez potentiellement la liberté de toutes les autres. Donc, je ne crois pas qu'on puisse régler un problème comme celui-là, un problème moi, que j'ai rencontré aussi, dans d'autres circonstances, de cette manière-là. La seule chose qu'on puisse faire, c'est inventer de nouvelles solutions pour s'occuper de ses enfants, par exemple. Et ça, la société, elle a une responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire, par exemple, il faut se souvenir que jusqu'en 2002, la loi de 1920, qui était la loi qui a été votée après la Seconde Guerre mondiale, interdisait toute promotion de l'information sur la contraception. Elle interdisait la stérilisation volontaire des individus, tout simplement parce qu'on disait qu'il faut que les femmes françaises fassent des enfants. Bon. Il y a une autre chose, c'est que j'ai lu il y a très longtemps un livre sur ce qu'on appelle la maternité en milieu sous-prolétaire, c'est-à-dire le fait que des femmes très 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 démunies avaient beaucoup 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 d'enfants. Et évidemment, comme elles étaient très démunies, des fois elles avaient beaucoup de mal à s'en occuper. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles étaient très démunies, elles n'avaient pas d'informations, mais aussi, plus vous êtes démunis, plus votre espérance de vie est courte. Et la seule manière de survivre, et ça c'est un processus très puissant à l'intérieur de soi, la seule manière de survivre, c'est d'avoir des enfants, et de les avoir très tôt, pour que vous soyez sûr d'en avoir avant de mourir. Bon, donc, l'une des solutions, mais évidemment, c'est très important et on ne veut pas s'en occuper, c'est de dire, ouais, d'accord, ça va, cette femme, on ne peut pas lui mettre un stérile ou un implant de force, mais peut-être qu'on va essayer d'améliorer ses conditions de vie, son éducation. Ça a été montré par les ONG dans tous les pays en développement. Plus les femmes sont informées, moins elles ont d'enfants. Plus elles sont sûres que leur enfant va survivre, moins elles ont d'enfants. Donc, c'est peut-être pas le comportement d'une femme, c'est peut-être un symptôme. C'est pas juste elle, parce que, bon, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais dans l'immense majorité des cas, c'est peut-être aussi le symptôme de ce qu'elle vit. C'est peut-être aussi la conséquence de sa vie. Et ça, on peut le voir en regardant ce qui a été fait dans d'autres pays, avec des femmes encore plus démunies que les femmes françaises. Mais évidemment, ça demande une réflexion plus générale, et ça demande une réflexion, et ça va dans le sens de ce que disait Martine, qui consiste pas simplement à faire porter la responsabilité ou la faute sur la personne à qui les choses arrivent. On est tous, hommes et femmes, on fait tous des erreurs, on fait tous des choix qu'on regrette plus tard, qu'on est obligé d'assumer, que certains d'entre nous n'assument pas. Il y a plein d'hommes qui n'assument pas leurs erreurs. Il y a plein d'hommes qui n'assument pas les enfants qu'ils ont fait avec des femmes. Donc, la seule manière de s'en tirer, c'est que si, c'est qu'on peut pas, on peut pas simplement désigner du doigt la personne. Il faut aussi dire, bon, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans cette situation-là et comment on peut faire de la prévention ? Moi, c'est un peu ce que je vivais quand je faisais des IVG, c'est qu'au début, j'étais très en colère parce que les femmes, dans mon esprit, n'avaient pas fait ci ou n'avaient pas fait ça, jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, une femme qui n'a pas pris de précaution contraceptive, peut-être qu'on ne lui a pas donné les informations sur l'info. Bon, ça s'est fait. C'est pour ça que je disais que Jean, c'est moi, hein, je savais tout. Bon. Après, quand j'ai commencé à travailler en amont, ben, là, je me suis dit, oui, ben, des fois, tu fais le travail. Quand tu fais le travail, les gens, ils ont les moyens, ils ont les outils, et là, ils peuvent se prévenir. Si on ne fait pas le travail en amont, on ne peut pas. Et je crois que ce que vous soulevez là, c'est ça. C'est qu'il y a des femmes, il y a des couples, il y a des hommes qui sont dans de telles situations que les choix qu'on pense qu'ils devraient faire, ils ne peuvent pas les faire. Parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de les faire. Nous allons prendre une dernière contribution, et après, si vous le souhaitez, Martine et Marc, vous faites quelques mots de conclusion, provisoires, pour aujourd'hui, à des problèmes, si j'ai bien compris, qui sont chaque jour renouvelés, c'est ça ? J'aimerais aborder deux sujets tabous. C'est d'abord la stérilisation volontaire.
car elle est autorisée à partir de 18 ans depuis 2001, mais c'est encore pas clair dans l'esprit de beaucoup de monde. Et je l'ai vu justement en me renseignant, on m'a dit que c'était interdit en France. Ben non. Voilà, et alors que c'est autorisé autant pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Bien sûr. La méthode est sûre, mais elle est plus disponible car ce n'est plus vendu. Mais en revanche, il y a encore la ligature des trompes, l'ablation des trompes et la vasectomie pour les hommes. Voilà, je voulais rappeler cette information. Et également dire que on juge souvent les femmes qui ne veulent pas d'enfants en leur disant qu'elles sont soit trop jeunes, irresponsables, qu'elles vont finir seules avec des chats, ou encore, je ne sais pas ce qu'on peut leur dire d'autre, que c'est de l'égoïsme. Voilà. Enfin, je voulais dire aussi que des fois, on devrait peut-être poser la question à ceux qui veulent des enfants, s'ils sont sûrs, pourquoi pas. Parce que c'est un choix irréversible également, une fois que l'enfant est là. Donc voilà, je pense qu'il faudrait arrêter de juger les gens avec leurs choix. Et ensuite, l'autre sujet tabou que je voulais aborder, j'ai des connaissances qui sont en médecine, qui m'ont parlé de toucher recto et vagino sur des patients endormis non consentants. J'aimerais aborder ce sujet, dire que fait la loi par rapport à ça, parce que sinon ça veut dire qu'on peut tous potentiellement se faire violer à une opération, super. Voilà, je voulais aborder ce sujet qui me semble grave. Oui. Bon, c'est bien parce que c'est deux chevaux de bataille de mon côté, donc je suis très content de pouvoir en parler. Oui, la stérilisation volontaire est autorisée par la loi pour toute personne âgée de 18 ans, et la seule condition, c'est 4 mois de délai de réflexion. C'est tout. Il faut savoir, ça c'est depuis 2001, enfin au tout début du 21e siècle. Dans les pays anglo-saxons, la stérilisation volontaire, moi je me souviens, dans les années 70, j'ai fait un road trip avec un couple qui avait décidé qu'après leur premier enfant, lui, il se ferait faire une vasectomie parce que c'était moins lourd qu'une ligature de trompe. Et il m'avait présenté les choses comme ça, il m'a dit un quart d'heure de désagrément pour une vie de plaisir. Et ils avaient un enfant et ils s'étaient fait faire sa vasectomie. Vous voulez vous faire faire, je posais la question par curiosité, vous voulez vous faire faire une vasectomie quand vous êtes un homme à Montréal, c'est. Un rendez-vous, une consultation, intervention qui dure en tout une heure, et puis 500 dollars. Bon, ligature de trompe, c'est un peu plus lourd, mais enfin, ça c'est. Les gens disent aussi, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, les gens qui sont opposés à la stérilisation, ils disent, vous ne vous rendez pas compte, c'est grave. Je dis, mais attendez, faire un enfant, c'est grave aussi, non? Moi, je trouve que c'est plus grave de faire un enfant que de ne pas en faire, personnellement. Parce qu'en plus, le gamin, il ne vous a rien demandé. Le jour où j'ai pris conscience de ça, moi j'en ai eu 6, vous vous rendez compte? Le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas demandé à venir au monde. Ils ont chacun leurs problèmes, comme tout le monde. Heureusement, je me dis, ils devraient m'en vouloir. Donc, décider de ne pas avoir d'enfant, non seulement ça ne paraît pas plus grave que d'en avoir, mais ça me paraît, et il y a de plus en plus de gens, en particulier dans certains pays développés, comme par exemple les États-Unis ou le Canada ou la Suède, etc., il y a de plus en plus de gens qui vous disent « mais c'est, en plus, c'est plus écologique. » C'est plus écologique. La natalité, en plus, baisse dans tous les pays, y compris les pays surpeuplés que sont la Chine ou l'Inde. Encore une fois, plus on éduque les femmes, moins elles ont d'enfants. En quoi est-ce que le fait de choisir d'avoir un seul enfant plutôt que d'en avoir 25 serait moralement... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que d'un seul 1 c'est correct, mais 0 c'est pas correct? Donc voilà, nous sommes coincés en France, et malheureusement il y a beaucoup de médecins qui continuent à mentir, et ils mentent quand ils vous disent c'est interdit, c'est un mensonge. Ils mentent quand ils vous disent que vous allez le regretter. Il y a moins de 5% des personnes qui décident de se faire stériliser qui le regrettent 20 ans plus tard. Ça, les anglo-saxons, ils ont fait des flopées d'enquêtes là-dessus. Et ils vous disent qu'il y a deux circonstances dans lesquelles les regrets sont un peu plus fréquents. C'est quand une femme ou un homme décide de faire ça avant 25 ans, ça augmente un peu le risque de regretter. Hein. Et deuxièmement, quand c'est fait après un événement traumatisant, genre... je ne sais pas moi, un viol,
une mort in utero, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on leur conseille toujours d'attendre un peu, parce que c'est jamais urgent une stérilisation. Mais on leur propose toujours d'attendre un peu, de cool down, hein, que ça refroidisse un peu. Et si au bout de 6 mois, ça a toujours, c'est toujours leur point de vue. J'ai eu à plusieurs reprises des femmes en consultation, tout au long de ma carrière. J'ai eu des femmes, des très jeunes femmes en consultation, qui me disaient « je ne veux pas d'enfants, je veux une ligature de trompe ». Et j'étais bien embêté. Au bout de quelques années, j'ai pu les envoyer vers quelqu'un qui était prêt à le faire. Moi, je n'étais pas chirurgien, je ne pouvais pas le faire. Mais, j'étais très embêté parce que je leur disais « mais c'est tout à fait légitime ». Mais elles se faisaient jeter dehors par des gens. C'est inadmissible de porter des jugements sur un homme ou une femme qui n'a pas d'enfant. C'est juste inadmissible. Et encore une fois, il y a des pays dans lesquels c'est considéré comme parfaitement... encore une fois, ça ne concerne que la personne en elle-même. C'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des enfants et que vous pouvez en avoir, très bien. Si vous ne voulez pas en avoir... Donc, diffuser l'information, c'est pas interdit, c'est au contraire, c'est autorisé. Et tout médecin qui vous dit en France que c'est interdit est un menteur. Donc, ça le disqualifie pour tout ce qu'il a à vous dire. Tout ce qu'il peut vous dire, c'est « oui, c'est autorisé, moi je suis un peu partagé par rapport à ça ». Il a le droit d'être partagé, il a le droit de penser que c'est pas bien, enfin qu'il ne le ferait pas pour lui, mais il n'a pas le droit de vous en empêcher, et il n'a pas le droit de vous dissuader. Tout ce qu'il doit faire, et c'est même écrit dans la loi, c'est vous donner des informations pour aller voir quelqu'un qui vous le fera. C'est comme IVG. Donc c'est très important. De toujours, ça aussi c'est très important, c'est les citoyens peuvent ramener les médecins qui ne la respectent pas à la loi. Ils peuvent lire le code de déontologie, ils leur disent « docteur, je suis désolé, mais là, vous avez enfreint 3 fois le code de déontologie. » Il n'est pas long le code de déontologie, il fait 15 pages, hein. C'est pas long. Et vous pouvez le télécharger gratuitement partout. La deuxième question, c'était quoi déjà l'autre tableau? Les examens sous âgés. Alors c'est pareil, on a levé ce lièvre de taille il y a plusieurs années, un certain nombre de Twitter dont je faisais partie, sur le fait qu'effectivement, il y a des facs dans lesquels on dit aux étudiants en médecine, tiens, on va t'apprendre le toucher rectal, le toucher gynécologique, le toucher vaginal, sur des patients qui dorment. Je ne vous dis pas les hurlements que j'ai entendus quand j'ai raconté ça avec mes petits camarades du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal qui vous disent ça fait 25 ans que c'est interdit au Canada, ça. Que même, il y a des femmes, les examens gynécologiques, il y a à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, à McGill, il y a des femmes volontaires pour que ce soit les étudiants qui les examinent. Mais elles le savent, il y a un contrat, elles sont défrayées. Elles ont des consultations, facilitées, parce que justement, comme elles sont volontaires, ben, elles en tirent un bénéfice. Si elles ne veulent pas au dernier moment, ben, elles disent « je ne veux pas ». Ce n'est pas une obligation. Elles se proposent, et puis on leur propose des consultations. Et l'étudiant, il est toujours supervisé, bien entendu. Bon. Et les gynécologues, ou les généralistes, ou les médecins qui ont besoin de faire des examens gynécologiques au Canada, ils apprennent tous à faire des examens gynécologiques avec des patients volontaires, mais jamais sur une patiente qui est endormie. Et idem pour l'examen, le toucher rectal. Le corps, une personne, ne peut pas être utilisé comme un matériau, un terrain d'essai. S'il ne peut pas être utilisé, si on ne veut pas que les femmes soient instrumentalisées pour porter des enfants, on ne peut pas accepter qu'elles soient instrumentalisées pour être examinées, et les hommes, c'est la même chose. Donc oui, c'est absolument interdit. Si vous entendez dire que ça a été fait dans un service, si vous connaissez un étudiant en médecine qui vous dit « on m'a fait faire ça », premièrement, il faut lui dire « c'est interdit », deuxièmement, il faut lui faire écrire ou écrire à sa place une lettre à l'hôpital et au service en question en disant « c'est absolument inacceptable, et si vous n'arrêtez pas ça, on fera quelque chose. » Souvent, ça, il faut faire peur aux gens qui pensent qu'ils sont, intouchables. Ça les empêche de dormir.
Il faut les objets dedans. Non, non, c'est inacceptable. C'est à l'insu de... Ben oui, à l'insu, c'est ça. Ah ben oui, à l'insu, ben oui. Parce que si vous êtes volontaire, d'accord. Eh oui, eh ben exactement. Vous rendez compte. Mais oui, vous pouvez absolument avoir été. C'est ça qui est terrible, c'est que vous pouvez avoir, si vous avez été opéré en France, au cours des 30 dernières années, vous pouvez très bien avoir fait l'objet d'un examen gynécologique dont vous, ou d'un examen touché rectal dont vous ne vouliez pas, par des gens que vous n'aviez pas autorisés. Hein ? Il n'y a pas de témoin, mais déjà, quand il n'y a pas de témoin, c'est un problème. Mais quand on ne le sait pas, maintenant vous le savez. Donc c'est très important de faire ce genre de réflexion et d'inviter les étudiants à ne pas accepter ce genre de situation. Parce qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire. Bien. Conclusion libre, mais non obligatoire. Bien, merci. Moi, c'est un, voilà, c'est un enrichissement que, encore une fois, que j'ai reçu. Je voudrais mettre... On a parlé, en fait, de quoi avant, nous parler essentiellement de la relation. De la relation à l'autre, mais de la relation aussi à nous-mêmes. Et parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Et je voudrais mettre peut-être deux ou trois mots. Premier mot, c'est le respect. Le respect qu'on se doit d'abord à soi-même et à l'autre. Et là, on a toujours à apprendre, parce que quelquefois, on ne se respecte jamais assez soi-même. Et donc, on ne respecte jamais assez non plus l'autre. Et donc, on est en chemin. Il faut toujours avoir ce souci, à commencer par nous-mêmes et puis par aussi nos enfants, quand on est parents ou nos patients, enfin nos proches. Deuxièmement, peut-être l'autonomie, c'est-à-dire essayer de s'autonomiser par rapport au discours médical, par rapport au discours ambiant, par rapport à la norme, par rapport au discours politique. Il faut toujours garder cette espèce d'esprit un peu rebelle, je dirais, pour ne pas... parce que souvent, on se soumet à des choses qui nous semblent normales et qui ne sont pas normales et qui, encore une fois, ne nous respectent pas, ne respectent pas l'autre. Et peut-être troisième idée, c'est de ne pas céder à la peur, de garder la confiance et puis aussi de savoir que l'union fait la force, c'est-à-dire que ce genre d'échange que nous avons, ça nous permet de nous conforter, d'être peut-être plus fort, plus conscient et de rester en chemin d'une façon encore plus éclairée. Merci. Je voudrais juste conclure en disant qu'il y a deux mots que vous devez toujours... avoir prêt, être prêt ou prête à sortir de votre besace quand on vous dit quelque chose, c'est non et pourquoi, avec un point d'interrogation. Et pourquoi, c'est pas une figure de style. Pourquoi, c'est je veux une réponse. Et je veux une réponse qui me satisfasse, qui me rassure, qui m'informe, qui m'éclaire et avec quoi je puisse travailler. Ça peut pas être la réponse à pourquoi, ça peut pas être parce que. Oui, c'est très magnifique. Et merci, merci à toutes et à tous de votre présence. Je pense que le métier de médecin, c'est un métier d'émancipation. Et le médecin donc, doit rechercher son émancipation et l'émancipation du patient. Et finalement, le meilleur médecin, c'est le médecin qui va faire que le patient n'ait plus vraiment besoin de lui. Vraiment dans le même sens. Vraiment de prendre conscience de la liberté et de l'émancipation, la liberté qu'on a de dire non, justement, ou de dire comme Marc, je ne serai pas complice. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le fait de ne pas regarder quelque chose d'inacceptable sans rien faire. Et donc, nous, on n'est plus dans l'idée de se plaindre de quoi que ce soit, depuis quelques années, on a la chance de pouvoir agir. Et puis on espère que vous allez être de plus en plus de personnes donc pour créer une communauté du soin. C'est donc notre bien commun. Et on a vraiment, là c'est en train de se développer. On est vraiment écouté à la faculté de médecine de plus en plus. Et là, de nouveau, je rebondis sur une idée de Marc. Donc avec cette idée que dans chaque faculté de France, il y a des groupes qui... des groupes d'étudiants, des groupes de médecins ou qui sont rejoints par des citoyens. Et on pourrait donc tous se regrouper dans quelque chose d'interassociatif. On a ici Robin Jouan, donc vice-président de la NEF, qui a créé à Nice l'esprit critique niçois. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. On va faire venir en octobre le collectif Cancer Rose, peut-être pour un octobre non rose.
pour réfléchir un peu à ce que c'est que cette bizarrerie des mammographies de dépistage. Je voulais dire aussi que, là aussi encore, grâce à Marc, on a fait passer, il y a 2 ans, le film « La maladie de Sachs », qu'à la suite de ça, il a été créé un groupe Balint avec des médecins donc très actifs, alors que ça n'avait pas existé à Nice depuis 30 ou 40 ans. Je voulais aussi parler donc de Luigi Flora, donc il travaille entre Nice, Paris, Montréal, et donc on voudrait développer le modèle partenariat patient de Montréal, un modèle partenariat de soins. Et donc, avec Richard, avec Michel, enfin avec Francine, je sais, en tout cas, on a cette idée de si vous pouvez donc mettre sur notre site toutes les idées comme ça avec les associations dans chaque ville, si vous pouvez nous donner des idées, des films à voir, des livres à lire, toute cette idée de se regrouper, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, je vais vous dire parce que... On a parlé hier avec Marc de l'affaire associative. Et nous avons parmi nous Eliane Guigaud, qui est la présidente du comité de défense des patients des hôpitaux publics du 06, et avec laquelle on a des projets de faire des choses effectivement ensemble. Eliane, si tu veux dire 2 mots, je ne sais pas. Non, c'est bon. Voilà. Donc, en tout cas, Eliane Guigaud est là, et on a des projets ensemble. Donc on invite vraiment, si vous avez autour de vous des patients chroniques pour essayer de rejoindre notre association, on serait très très intéressé par la participation des citoyens et des patients. Voilà. Merci. Salut.